et bienvenue sur ma chaîne Soukier. J'espère que vous allez bien. Alors, le topic of the day va être une recette de bol de quinoa que j'adore. Trop gourmand avec une sauce minute maison comme j'aime les faire. On va venir faire cuire notre quinoa dans une casserole avec de l'eau bouillante. Ensuite, nous allons mettre 2 grandes cuillères de yaourt dans un bol, un peu de persil, un peu de miel, une cuillère de citron, tarde de miel, un peu de mozzarella. On épice comme on le souhaite et je rajoute des noix. Ensuite, dans un bol, nous allons venir assembler le tout et donc nous allons mettre du quinoa. J'ai fait cuire à la vapeur des carottes. Ensuite, je vais mettre les crevettes que j'ai fait cuire. Ensuite, je viens mettre des pousses de jeunes mango. Je viens y déposer ma sauce trop délicieuse. J'y ajoute un peu de piment et un peu de quinoa. Et tadam, voilà, avec la sauce trop bonne, trop gourmande, j'adore. Dites-moi quoi si vous faites la recette? Hashtag Dinabou. Quand je me fais quelques séances de muscu, il est super important que je mange bien. Boire de l'eau. Et oui, nous avons besoin de nous réhydrater, de réhydrater notre corps après le sport. Donc, un liquide bon et simple. Ensuite, nous avons les fruits. Orange, mangue. Une banane. Et après le sport, c'est très très important pour récupérer. Bien sûr, on sait, il y a des boissons comme des protéines et bien plus de vitamines qu'on peut acheter en boîte. Mais tout ce qui est aliments entiers, c'est vraiment votre ami, c'est vraiment notre ami et c'est super bon. Et donc, si ce contenu vous a plu, je vous demande de liker, de partager, de vous abonner. Et bien sûr, je vous vois pour la prochaine vidéo où je vais vous parler d'un de mes coups de cœur Netflix du moment, Arsène Lupin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.